Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce vol A380 Thai Airways 258. Le commandant Camé et mon copilote Léon sont ravis de vous accueillir dans cet appareil à destination du Cambodge. Nous rappelons que l'étiquetage des bagages est obligatoire. Ce vol est non fumeur et si jamais un gosse commence à pleurnicher, il sera directement jeté dans le support. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec l'équipe cabine pour la démonstration de sécurité. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable voyage. Bon, bien bonjour à tous et à tous, ici Yann Le Caméléon et nous sommes dans le Paris-Bangkok. Nous arriverons dans 12 heures, donc 12 heures d'avion, ça va douiller. Donc voilà, j'espère que vous allez suivre cette aventure au Cambodge. À bientôt. Un petit annonce, sachant que nous avons 12 heures à traverser ensemble déjà, est-ce que tu vas arriver à me supporter? Oui, complètement. Et que comptes-tu faire de ton voyage? Je vais bouquiner, je vais dormir, je vais parler avec toi, avec les gens, et voilà. Et après, on sera arrivé, et à nous l'aventure, la nouvelle aventure, 20 ans après. Mais quant à moi, je pense que 12 heures passées avec maman, je crois que c'est peut-être la première fois qu'on se retrouve autant de temps ensemble d'affilée depuis au moins un an et demi, donc ça va être dur. Ça va être très dur. Et bien les couverts en métal, le petit verre de vin, je crois qu'on est bien là. Santé. Bon ma petite maman, nous arrivons dans une heure et demie à Bangkok. Comment as-tu trouvé ce voyage pour le moment? J'ai pas beaucoup dormi, les enfants ont hurlé, mais ça va. Ça va le faire. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 12 heures de vol? J'ai dormi, regardé deux films. Dont un avec Ryan Gosling, on va le préciser, hein. C'est pourquoi. Voilà. Manger, pipi, et voilà, j'ai pipi. Le plus lourd effet, nous venons de descendre de l'avion à Bangkok, donc il est 5h25 ici. Bonjour. Il est 5h25 ici, à l'attraper le virus, je crois. Bonjour. Comment tu vas? C'est pas bien de se moquer, maman, c'est très raciste de juger ça. Pas du tout. Bon, sachant que je sens que je vais me faire maltraiter dans les vidéos à cause de ça, bon. Alors, je dis donc voilà, il est 5h25, nous venons de descendre à Bangkok pour prendre ensuite un autre avion. Comme si j'étais pas fini, hein. Pendant une heure jusqu'à Phnom Penh, voilà. Bonjour, bienvenue, c'est ta maison. Maman, arrête la drogue, ça te réussit pas, signer la voix de ton GPS. Dernière ligne droite, ça y est, nous sommes enfin dans l'avion pour Phnom Penh, donc oui. Il est 7h28 actuellement en Thaïlande, à Bangkok. Petite impression avant d'arriver? Bah écoute, j'ai hâte d'arriver parce que je commence à être fatiguée. Ah, voilà mon Yannou, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, ça y est, dernière ligne droite, donc avant Phnom Penh, donc il est actuellement 7h30 du matin en Thaïlande à Bangkok. On va arriver d'ici 1h30, vers 8h50. Ouais. J'ai vraiment hâte. Je suis un peu fatiguée quand même parce que le voyage est assez crevant. C'est pour le bien des choses, voilà. Ah bah sur le vol Bangkok Phnom Penh, c'est pas le même budget, hein. Tout en plastique. Qu'est-ce qu'on fait que bouffer? Chicken high. Ça y est, nous sommes arrivés. Dans... Oui, arrête de me filmer près comme ça. Bon, nous sommes bloqués dans un trafic assez intense. Petite anecdote sur les Cambodgiens, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais passé de permis. Ils ne savent pas ce que c'est en fait ici.
Et du coup, il roule la ceinture détachée. C'est comme le vélo en France, on a le permis de conduire. Comme toi, t'as pas la ceinture attachée, tu commences à te mettre dans l'ambiance. Exactement. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ma petite maman, oui. Ça y est, on est enfin à l'hôtel, un hôtel 4 étoiles, il me semble. Abonnez-vous de suite, sinon vous aurez affaire à moi, Smiley qui s'énerve, AAXD LOL, la petite voix du GPS.